Voilà, on est reparti de Miami là. On vient de faire 2 heures de route presque. Et là, on se dirige vers Cap Canaveral pour aller voir le lancement de la fusée. Ce sera à 5h du matin. Donc on va probablement prendre un hôtel et puis attendre. Donc voilà, on va voir le lancement depuis Playa Linda Beach. Donc, on va essayer de se rapprocher le plus près possible du point de lancement. C'est le complexe 40. Donc voilà. À tout à l'heure. Alors comme il n'y avait que 5 heures à attendre, j'ai décidé de traverser le pont et de visiter un peu la ville qui est de l'autre côté. Bon, il est minuit, il n'y a personne, mais j'ai vu des ratons laveurs. Oh. Rectification, il y a une voiture. Ouais, comme je disais, j'ai vu des ratons laveurs sur le bord de mer. J'ai essayé de les filmer, je sais pas si ça va bien se voir sur la vidéo. Et puis là, je me balade. Je vais être dans le centre là à peu près. Il n'y a pas grand chose, mais bon, j'ai encore 4 heures à marcher. Puis ensuite, fusée. Tout au bout là-bas, le petit point jaune et la fusée avec un grand bâtiment à côté. Donc elle devrait partir de là-bas et on va la voir décoller. Soit on n'entend pas le bruit, soit il y a un gros décalage. On n'entend pas le bruit. Voilà, la fusée est partie. C'était génial. Au début, il s'est rien passé. On voyait juste un petit point lumineux qui monte. Et puis après, boum, feu d'artifice. Enfin, elle a pas explosé, mais ça a fait des jolis trucs quand elle a passé l'atmosphère. Donc, j'ai filmé avec l'appareil photo, la GoPro, le téléphone. J'ai pris des photos. Donc, ça devrait aller.
J'espère que ça va bien rendre. Du coup, elle est partie de là-bas, là. Elle a fait un grand arc jusqu'à là, et puis ensuite gros nuage de fumée, et puis elle est redescendue vers l'horizon là-bas. En gros, elle est allée tout droit, sauf que la terre est ronde, quoi. Voilà. Donc là, on reprend la voiture, il est 6h du mat, et puis on va retourner en ville et on va commencer à redescendre vers Miami.